Pendant cette semaine, nous verrons l'homme Dieu, l'humanité du Christ accablée par la souffrance. Cependant, nous savons bien qu'il reste Dieu, même dans l'agonie à Gethsémani, même sur la croix. Étrange destin que celui-là. Il est conduit à la royauté, au triomphe, par la souffrance et par la mort. Nous n'entrerons dans la passion, effectivement, réellement. Nous n'en recueillerons les fruits de lumière, les fruits d'amour, que si vraiment nous y entrons avec l'humilité de l'intelligence, avec l'humilité du cœur. Si nous y entrons comme des enfants auprès de Jésus, comme d'humbles mendiants qui mendient la lumière, qui mendient les mérites de la passion, qui veulent boire aux sources du Christ, des mendiants qui veulent recevoir cet amour qu'il est venu apporter à nos âmes et que par nous, il veut donner au monde.